Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, sur l'épisode 2. Fallout 4. Et chérie, tu peux te calmer, hein, parce que oui, maintenant qu'on est en couple, je t'appelle chérie et je vais t'envoyer chier, hein, c'est le principe. Bon. Alors, on n'avait pas fini de visiter l'endroit qu'elle nous avait déjà dragué. Ok, et moi je m'étais planté dans ce. Enfin, je m'étais planté dans l'imaginaire de ce qui allait se passer. Quand j'ai dit courtiser, je pensais que ça allait être un peu plus long que ça. Vous savez, normalement, quand on courtise quelqu'un, c'est pas je t'aime. Normalement, il y a un petit peu de bordel avant. Mais bon. Le terme était mal choisi pour les traducteurs. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Hop. Par contre, il pleut toujours et ça, c'est chiant. Mais t'es con, tu m'as foutu les boules! Espèce d'abruti! Là-bas, il y a un truc. Station, ah oui, d'accord, j'ai déjà visité tout ça, non? Ok, bah on va reprendre la route, vous savez quoi? On va essayer de rejoindre la route. Hop! Ah, je pensais que ça allait être de l'eau! Qu'est-ce que. Vous avez pas vu une lumière comme moi là? C'est normal que ton Pip-Boy fasse tout ce bordel. Faut s'inquiéter ou quoi? Faut s'inquiéter, oui. Faut en avoir peur, non. Voilà. J'ai le stock. Je m'attendais à une couille, mais non, même pas. Ok, pourquoi pas. Ah, il y a de l'orage, voilà, c'est ça le truc. Ok. Ok, ok. Une espèce de fort là-bas, non? C'est moi qui... Et là, il y a une espèce de ville, en fait, sur tout ça. Ah non, c'est une carrière. Vous voyez comme moi, là-bas, il y a un drapeau. Américain, et il y a un robot sentinelle. Raté. Est-ce qu'il va crever? Eh, je sais bien que t'es solide, mais quand même, là. Ça fait combien de chargeurs que je lui mets dans le nez, putain? Ah! Il a apparemment décidé de prendre des dégâts, ça y est. Ça y est, il est mort. Ok, on entend même l'explosion avec un léger décalage. Si c'est pas beau. Ok, bon, bah cette... Soyons honnêtes, y'a qui? Hop. Attends, t'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Hop, voilà. Oh putain. Merde. Alors eux, ils vont nous tirer dessus malheureusement. Chargé, prêt à tirer. C'est fait. Voilà, je les ai eus. Ok, bon, eux par contre, je risque pas de les avoir, donc on y va. Ils sont combien? Est-ce qu'ils sont nombreux en dessous en fait? Ouais, pas tant que ça. Encore un mec avec un nom. T'as perdu.
envie de suicide, toi. La vache, ils sont précis par contre. Toi, t'es pas loin, toi. Ouais, par contre, ils sont pas très précis, certes. Mais ils sont solides. Waouh! Je commençais à croire qu'il allait pas crever celui-là. Qu'est-ce qui c'est qui me fait autant de dégâts? D'accord, c'est le mec là-bas. Apparemment, y'a pas que lui. Putain, mais ils sont solides! Ok. Allez, vas-y. Vas-y, chérie. Boum. Voilà. Ça va chier les bulles. Mais je l'aime, cette fille. Elle est géniale. Elle parle comme il faut. Kate. Pam, 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 pam. Boum. Ça fait mal. C'est une goule. Hop là. Bah alors. Ça fait mal. Ok, t'as l'air con comme ça, mais c'est pas grave. Il s'est mis à couper, accroupi ou c'est moi? Tu sais quoi? Chiche kebab! Oh, c'est tout ce que ça fait. What? Pourquoi ça a... Ça a tremblé, donc j'ai rêvé. Oui, je suis plutôt résistant dans mon genre. Voilà. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Alors, je vérifie maintenant s'ils ont pas un anneau, parce que bon, sait-on jamais. Je vais peut-être me prendre aussi un Radaway. D'ailleurs, je vais peut-être les équiper ailleurs. Les Radaway. Hop. Voilà. Hop. On peut pas les faire fonctionner comme ça? Mince, je me suis planté le bouton. Radaway. Et sur le moins, c'est ça? Moins égal. What? Effectivement, le moins, il n'existe pas. On peut le mettre ici. Ah d'accord, il le mange en fait. C'est naze. S'ils ont fait une animation pour le Steampack, j'aurais dû en faire une pour le Radaway. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Par contre, si on descend, on va se prendre une chier de dégâts. Kate, t'es où? T'es morte? Pour éviter les radiations, si possible. Ben moi, ça va, je les évite un petit peu. Toi, par contre, t'es encore dans l'eau. Je sais pas si c'est la merdise dès que t'es eu. Ah oui, là, c'est clair qu'on se bouffe des radiations. Putain, on va se les bouffer en constante? C'est dessus, j'aurais gardé mon truc hazmat. Hop, raté. Commence bien. Crac. Hop les. Ouais. Putain, mais on en bouffe des rades, hein. Oh là, il y a clairement un passage là. Bah alors les mecs, on tient pas le coup. C'est dommage qu'il y ait pas les cadavres de vrai. Ah si, ça y est, ils sont. Mais enfin bon, c'est des artilleurs ceux-là, c'est pas des. C'est pas ceux qui m'intéressent. J'ai entendu quelque chose. T'as entendu quelque chose, tu crois? Alors, chers amis, il dit avoir entendu quelque chose. Faisons-lui un petit peu peur. Wow, on la boucle une seconde. J'ai entendu quelque chose. Là. Impact psychologique. Putain, on se bouffe des rades. Oh, la gueule. Vous croyez pouvoir vous cacher? Même pas. Non, je crois plutôt vous piller en fait, vous les pillards. Je pille des pillards. Sans que vous vous en rendiez compte. Génial. Voilà. Ah non, je vois ce bordel. Je vous pille salement et vous vous en rendez même pas compte.
J'ai buté la moitié de votre camp et vous vous en rendez pas compte non plus d'ailleurs. Oula. Je vais te faire la peau. Je commence juste à m'échauffer. Ok. Ok, suivant. Y'a personne d'autre? C'est parfait. Oh, attendre devant la porte avec le pompe, c'est génial. Oh, hé! T'es un novice! Alors attends, ça me dit pas que. Oh putain. C'est bon. C'est pas grave. On va faire comme si c'était pas grave. Ok. Il y en avait une troisième normalement. Non? Ah putain, il est dans le mur. C'est ça qu'on entend en fait. Ok, il est complètement rentré dans le mur. C'est pas grave, le pauvre. Pauvre homme. Oh là, l'irad. Oh là, ça va plus. Ah oui, je suis au niveau de l'eau, c'est pour ça que ça... C'est en train de me tuer. Ok, bon, bah on se barre. On se barre. Faudra revenir avec une... Ah bah non, il y a forcément quelque chose vu la dangerosité de la zone. J'ai pas envie de me barrer. Il y a forcément quelque chose d'intéressant. Hop. Oh, chair de rat de cafard, c'est dégueulasse. Y'a forcément quelque chose, c'est pas possible. Ah, y'avait le mec dans le fond aussi. Le mec avec le nom. Ah, mais j'ai pas envie d'aller dans le fond, je vais me faire défoncer par les rats. Oh. Donc là, c'est là d'où je viens. Tout à l'heure, je suis allé à droite. Là, une espèce de petite maison dans la prairie. On y va. De capsule, pourquoi pas. Il y a le bonhomme de tout à l'heure, donc on est revenu en arrière, c'est pas grave. Ah, il y a une île, espèce de... Ouais, il y a un truc au sol, quoi. Ok. Je vais me bouffer une tellement grosse quantité de rad. Regardez ça. Hop, les... Là, c'est la catastrophe. Eh, mais saute! Abruti, abruti, abruti. C'est le jeu qui voulait me tuer, là. Hop. Heureusement que j'ai vendu des radeaux, hein. C'est génial. Merci le jeu. Et il manquerait plus que ce soit un orage radioactif là. Qu'on rigole. Je regarde s'il n'y a pas un bouquin ou un machin là-bas parce que putain. Vu l'endroit. Il me faudrait un fusil avec une lampe tactique en fait, c'est ça qu'il me faudrait. Les lampes tactiques sur les armes. Bon bah je vois rien ici. J'espère que j'ai rien loupé. Parce que vu la dangerosité... Ah, il y a encore un truc là-haut. Hop. Boah, le nombre de radeaux que je vais utiliser quoi. Ah, c'était là. Fais chier. Hop. Ah, porte coulissante expert. Peut-être que c'est là. Ça sera pas aussi simple que le novice. Hop les, ça c'est fait. Ça y est. Boston Bugle. Putain, j'y ai cru l'espace d'un instant. Faut pas avoir la main qui tremble, c'est tout. J'ai tout pris, je crois que j'ai même pris une arme. C'est quoi ce bordel? Oui! J'aime quand tu parles comme ça. Ok, bon, on y est. C'est la dernière. Et y a rien dedans. Boule de gomme, wouhou. Déverrouiller novice. Hop, le voilà. Joli. Ok, pourquoi pas. Bon, on y va, on roule. Un raid roquette. Et toute une, bah, tout un village en fait, toute une ville.
Yo. Tiens, c'est marrant, c'est pas une voix que j'ai l'habitude d'entendre. C'est une ville ou c'est... C'est pas un pillard. Si ? Ah bon. Les artilleurs peut-être ? Ruins de Quincy. Ruins de Quincy, pardon. Yo les filles. Le boucher. Aïe. Oh putain, il vient de me cogner le menton contre le volant. Quel con. Et on repop où? Ah, c'est bon. Ok. Quoi? Bon. Alors, vu qu'ils veulent jouer à ça... Autant qu'on y joue aussi. Ah mais j'aurais pas la portée requise. Ça grouille d'artilleurs par ici. Les renifles à 10 km, c'est quoi? Je suis pas pressé, je peux attendre toute la journée. Ouais moi aussi. Liquidez-le. Qu'est-ce que... Ah, c'est les cailloux qui me bloquent quoi. Puis vu que l'arme me bloque aussi la moitié du... Du champ de vision. Alors, maintenant qu'on est dedans, le tout, c'est de pas crever. Qu'est-ce que... Quoi? Ça veut pas, hein. Ah, quand ça veut vraiment pas, hein. Hop, ça fait mal. J'aurais dû m'en douter un petit peu, remarque. Hein. Bon, il me fait chier avec son Fapman. Lui, par contre, on va devoir y aller un petit peu bourrin. Donc, du coup, je sors le réducteur de munitions. Oula, mais je suis déjà à moitié mort. Eh, hey, tu aurais pu te... Ok. Alors, l'autre, je crois qu'il vient de tenter sa chance. Oh putain, il est là-haut. Fais chier. On va enfin se marrer un peu. Non. Tire pas. Oh putain. Seriously? Ok, lui il va être chiant. Puis si je tente moi-même le coup du... Oh putain. Donc je suis baisé quoi qu'il arrive. Hein. Sauf si j'arrive à monter plus vite. T'as des envies de suicide toi? Oh putain, c'est un cul-de-sac. Ok, attendez. Un légendaire, génial. Dans l'escalier, rien que ça. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui me tire de là? Oh la vache, je prends cher. Faut absolument que je bouffe un Radaway. Oh la vache. Il va me falloir une un cocktail Molotov aussi. Oh, la vache. Eh, tu tires ou pas? Raté. Bouf. Mais il a repris de la santé ou quoi celui-là?
Meurs. Putain, il me faut un chargeur, quoi. Ah la vache. Meurs. Qu'est-ce qui me tire dessus? Qu'est-ce que... Il est là. Ok. Non, là, genre, là, il faut que j'ai du bol et que j'ai besoin du comment, du missile aux étrangers. Même pas. Oh! Qu'est-ce qui m'a fait ça? Qu'est-ce qui m'a fait ça? Il a tiré avec le... C'est quoi, cette ville? Ok, je repop là. Bah, écoute, tant mieux. Ça va chier. Vous l'avez voulu, vous l'avez demandé, et ben vous l'aurez. Maintenant, il suffit plus que j'ai plus qu'à trouver ce qui va faire le plus de dégâts à tout le monde. Ok, c'est parti. Putain, c'est une de mes armes les plus puissantes, hein. Je précise, hein. Des fois que certains n'auraient pas compris. Ok, toi t'es mort. Oh putain! Je veux sa tête. Venez vous battre, bande de connards. Ok, 2-1. Oh putain. Oh mais non! Putain, mais il tire dans le bâtiment avec ça, c'est saoulant. Je veux sa tête. Ça commence à me plaire. Je me trompe d'arme en plus, c'est génial. Hop. Amène-toi. C'est génial comme endroit. C'est un coup à vous faire rager. Bah écoutez, on va tenter le coup, hein, nous aussi, hein. Oh! Hop. Oui bah écoute, je connais, hein. La merde jusqu'au cou, je connais. Mais non. Putain. Il va me tuer. Oh putain. Le mec il est agonisant mais non. Hop, ça y est, cette fois. Vas-y, bute-le. Oui, c'est un ninja, j'ai bien vu, t'inquiète pas. Ok. Non, 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 t'inquiète, je m'occupe du problème. Ok, ça m'a tué aussi, c'est génial, j'étais derrière le mur. Alors comment lui, il peut le faire, si nous on peut pas? Moi j'aimerais, c'est ça que j'aimerais savoir en fait. Ça veut pas, hein. Vous voyez bien que ça veut pas, hein. Je fais pas mine, hein. Je vois plus rien. Tu m'étonnes. T'as ma bite sur le fond. Ok. On en est arrivé là. Non. Il a failli retirer. Il a failli retirer, chers amis. Alors je vais le prendre pour éviter que personne d'autre le prenne. Oh putain.
Ok. Par contre, j'ai du bordel sur moi, du coup. Combat rifle, je vire. Hop, voilà. Oh, ça me tue, ça, non? Non, c'est bon. Oh, et il me saoule. Tentative numéro 2. Non, ça marchera pas. Ça veut pas marcher. Bah, je vais monter sur le toit, puis je vais faire comme lui. On va bien voir si là ça veut marcher. Parce que ce qui m'écœure en fait, c'est que si ça marche pas pour nous et que ça marche pour lui, c'est dégueulasse. Où est-ce qu'elle est l'église? Là. Hop. Ça marche pas. Donc vous voyez qu'il y a bien un problème. Alors je vais quand même réessayer, mais avec autre chose, chers amis. Je vais essayer avec son Fatman. Le véritable Fatman. Le truc simple. Parce que des fois que ça marche pas avec le nôtre, parce que le nôtre il est modifié, et que ça marche avec le sien, oulala. C'est par où? C'est par là. Hop. Mais voyez que... Quoi? Non. Ah, ça marche. Je veux sa tête. Merde. Eh ben écoute, bonjour alors. J'ai aucune raison de ne pas le bourrer, donc Oh, il me saoule celui-là. Hop. Et y'a personne qui vient m'aider? Putain. Ok, j'ai raté toutes mes balles là, c'était violent. Clint, tu fais chier. Agent Barton. Bon, de ce côté-là, c'est bon. Il en reste un, semble-t-il. Oh, tu veux en finir avec la vie ou quoi? Oh putain. Mais non, mais putain. Tu te prends des balles. À plus savoir quoi en foutre. Mais à part ça, ça va. Qu'est-ce que... Oh putain. Où est-ce qu'il est? Ok, il a un Fatman aussi. Ok, ça pue. Où est-ce qu'il est, ce con? Ok, je sais où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est? Comment qu'elle peut m'avoir de là, putain? Tu l'as vu? Bah tu la verras plus. Vous connaissez la suite. Waouh! J'ai jamais autant utilisé le Fatman. Une minute. T'as entendu quelque chose? Jamais. Mais alors absolument jamais, chers amis, hein, c'est une première. What? Cet endroit, quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui ose encore me tirer dessus, putain? Quoi? Encore? C'est quoi cet endroit? Serait digne d'une mission avec l'institut ou quelque chose comme ça. Hein. Hé, qui est là? Tessa? Oh, le bande de Tessa! Tu commences vraiment à me gonfler! Quelqu'un me suit. Oh, il me saoule. Il me saoule. Oh putain. T'as des envies de suicide, toi? Pas vraiment, mais écoute. Je fais comme je peux, hein. Oh la vache. T'es ça? Elle est tombée? C'est tout. Elle veut faire quoi? Du cac là? Je recharge, bouge pas. Voilà, meurs. Point de Tessa. Oh. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait de se faire réclamer par une fille? Je sais pas. Ok. Bon, est-ce qu'il reste quelqu'un? Parce que franchement, là, ça commence à être long. Tu vas crever. Et de une. Et de deux. Calmez toi. Oh la gueule. Cette zone c'est là. Mais putain mais. Oh ça me saoule. Tiens regarde. T'as du bol. T'aurais pas sous la tête, je t'aurais grenadé. Oh la gueule. Oh mais l'endroit de merde. Oh. Oh la gueule. J'ai pas trouvé un endroit plus pourri. C'est bon, il a eu sa dose? Parfait. Merci. Ouais, la mienne aussi. Non, ça va. Ouah, l'endroit de merde quoi. Mais on dirait une ville. Ça aurait pu être une ville. Hop, tu te calmes. Toi t'es un caporal. Comment faire peur aux troupes? Tu permets, tu baisses pas les bras devant moi. Déjà. Hop les, voilà, exécution. Ça se fait pas. Dans un monde post-apocalyptique. C'est tuer ou être tué, donc je suis désolé. Je fais comme je peux. Hop. Bon, j'ai sûrement loupé toute la ville. Hein. Tu penses vraiment que ça craint rien de crapahuter là-dessus? Vas-y, on y va. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Comme un bruit de machine, vous avez entendu? Pas mal pour un combat rangé. Oh, ça, c'est la confrérie. Vu le triple canon laser. Non, c'est peut-être ça que j'ai entendu en fait. Bon. Bon. Wouah, la zone de merde. Ah, puis c'est pas visé le bonhomme. Hein. La zone de merde. La grosse zone de merde. Oh, tu veux en finir avec la vie ou quoi? Non, ça va, ça baigne. On va aller en finir avec ça. Arrêtez-vous là. Miliciens. Putain, t'étais en train d'abattre des miliciens? Ils t'ont rien fait. Venez, que je mette une victoire des miliciens. Putain, mais c'est la première fois que je vois ça. Ils se mettent à buter des miliciens, quoi. Nom de Dieu. Ah, il en a buté deux par contre le mec. Hein. Lui il est balèze. Hein. Il est meilleur que deux. Un milicien c'est meilleur que deux. Deux comment. Deux conscrits de la. Putain comment que ça s'appelle. La confrérie. Génial. Incroyable.
absolument incroyable. Bon, eh bien écoutez, chers amis, c'est sur cette dose d'action qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans faire trop le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode et aussi dans la bannière vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop, j'ai une voix qui est partie en sucette à la fin de l'épisode, c'est génial.